مشروح خبرها. در همبستگی با مجاهدان اشرف و به مناسبت ماه مبارک رمضان، شیخ خلیل مرون مدیر مسجد ابری بزرگترین مسجد فرانسه و شیخ زو مسکین دبیر کل شورای امامان جماعت در فرانسه پیام‌های خطاب به مجاهدان اشرف ایراد کردند. الصلاة والسلام على نبيه المصطفى الكريم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المجاهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي من علينا بشهر الصيام بما فيه من الصيام والقيام، نرجو أن تعم بركاته جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نرجو الأمن والإيمان للمسلمين في الغرب وفي الشرق، في فلسطين وفي أشرف وفي إيران وفي باكستان، وأن يعم بركاته على الجميع، وأن يحس كل أنه حر في بلده يرجع إليه، ولا يحس بالاضطهاد ولا يضطهد بسبب فكره وبسبب دينه. فلا داعي بأن يبقى المسلم مغتربا في أوروبا ولا يرجع إلى شمال إفريقيا، ولا داعي أن يبقى المسلم في أشرف ولا يرجع حرا حرا منتصرا مظفرا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il demande au prophète d'incliner son aile à l'égard des compagnons. On ne peut pas imaginer un régime musulman qui utilise la répression et le manque de liberté d'expression. Wa shawirhum fil amr, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Consultez-les. Un bon chef d'État musulman, c'est celui qui consulte son peuple, qui œuvre pour le bien-être de son peuple. Le deuxième volet, ce soir, j'ai une pensée particulière à nos frères Ashraf. Je pense qu'il y a une responsabilité énorme des Nations Unies, celle qui a mis en place ce gouvernement en Irak. Et nous, les États-Unis, ils nous ont promis la liberté, la démocratie en Irak, les droits de l'homme en Irak. Ils ont une lourde responsabilité à imposer au régime irakien de ne plus massacrer les réfugiés réfugiés iraniens à Ashraf. L'ONU est là pour mission de protéger les innocents des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et ce sont ces pays occidentaux qui prétendent être le monde libre, qu'ils doivent assumer leurs responsabilités et exiger du gouvernement irakien d'accueillir avec sérénité et paix ceux qui souffrent aujourd'hui à Ashraf. Pour moi, les habitants d'Ashraf, ce sont un symbole de l'endurance, un symbole de la résistance. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Moi, j'ai un message à adresser d'abord à tous les musulmans du monde, et sans oublier qu'en Iran, j'ai des frères musulmans, et que je partage avec eux cette adhésion à la foi musulmane qui est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et que je saute de l'Iran pour atterrir à Ashraf avec ma pensée et tout ça. Je voudrais leur dire, le Ramadan c'est le mois des victoires. Mohammed a eu la victoire de Badr et de tous les combats qu'il a mené le prophète alayhi salatu wa salam pour asseoir la foi en un seul Dieu, c'était pendant le Ramadan. Le Ramadan sera certainement bénéfique pour vous, et que Dieu, je souhaite que Dieu vous regarde avec un regard de miséricorde et qu'il fasse pleuvoir cette miséricorde du ciel vers vous, et que je vous demande courage.